The year is 1999. The Cold War has been over for more than a decade, and for the first time in a half century, the world is free from the specter of nuclear apocalypse. It should be a time of peace and prosperity, but all over the globe, the embers of old animosities have been fanned into flame by the winds of freedom. Terrorism in the 21st century is an international industry. Money and expertise flow freely through the global computer nets, and every type of weapon imaginable is available on the black market of the Third World. It has become harder and harder for the security forces of individual nations to combat this threat to the safety of their people. What's needed is an organization with the resources and the authority to fight terrorism wherever it flourishes. It would be composed of the best and brightest counter-terrorism experts from every country, and armed with state-of-the-art weapons and equipment. It would operate in absolute secrecy, its existence known only to the most senior government officials. It would attack swiftly and silently, cutting off the head of the Viper before it had a chance to strike. Such an organization already exists. Its code name is Rainbow. Salut, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de C'était quoi déjà, destiné au premier opus de Rainbow Six dans la gamme Tom Clancy. Donc là on va aller voir les crédits tout de suite, hein, on est sur l'interface de base, donc vous pouvez arrêter les crédits pour dire de regarder si vous voulez voir en plus en détail l'équipe de développeurs. Rainbow Six, premier du nom, édité par Ubisoft et créé par sa filiale Red Storm Entertainment. Ici on est sur les options, donc comme vous voyez audio, vidéo et partie, avec la possibilité tout en bas de changer les commandes, bah là évidemment. Donc voilà, on peut régler les paramètres. Ensuite il y a l'entraînement, mais bon on verra pas, multijoueur si vous voulez jouer avec des amis. Et là nous on part plus particulièrement sur les missions, donc un pack de 14 missions. Operation Steel Wind. Earlier this evening, armed members of the terrorist organization Free Europe seized control of the Belgian embassy in London. Your mission is to retake the embassy with minimal civilian losses. En sachant que c'est la toute première mission de cette escouade qu'est le Rainbow Six. Donc le Rainbow Six, c'est quoi? C'est une unité d'élite internationale créée par les Nations Unies qui intervient au niveau des conflits internationaux, notamment les actes de terrorisme ou alors les actes de sabotage, de prise d'otages, enfin tous les points un peu chauds où les forces nationales sont un peu dépassées par les événements. On fait appel à cette escouade qui regroupe les meilleurs éléments de toutes les polices du monde. Donc Rainbow Six, un jeu sorti en 1998, si je ne me trompe pas, créé par Red Storm Entertainment et édité par Ubisoft, ça je l'avais déjà dit. Voilà. Ce que j'ai pas dit par contre, c'est qu'il y a une annexe qui existe, Eagle Watch, que je ne pourrais pas vous montrer parce que je ne sais pas pourquoi, mais mon ordinateur refuse de le prendre en compte. Bizarrement, il prend le jeu de base, mais il ne prend pas l'annexe. Donc malgré tous mes essais, donc là vous voyez c'est vraiment les différentes interfaces. L'intérêt de ce jeu en fait c'est de présenter, moi ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que les missions sont vraiment à préparer. Vous avez pas mal d'informations, notamment là comme vous voyez vous avez différentes catégories. Vous avez les personnes, notamment votre chef d'escouade, enfin le chef du Rainbow, qui vous donne des informations et qui essaye de vous briefer sur les tensions. Vous avez aussi les différentes communautés que vous allez retrouver, c'est-à-dire à la fois l'ONU, tout ce qui est officiel, comme on peut le voir là ici, mais aussi des renseignements sur les différents groupuscules terroristes que vous allez être appelé à intercepter. Ainsi que pas mal d'autres personnalités qui viendront au fur et à mesure agrémenter vos missions. Donc quelque chose d'assez abouti, là ici on est sur sélection de l'équipe, donc vous allez devoir, comme vous voyez en bas à droite, vous avez plein de stats. Moi j'avais déjà sélectionné, donc j'ai passé. Là ici vous êtes sur sélection
des équipements. Bon, j'ai déjà, comme vous voyez, vous pouvez changer l'équipement. Je suis désolé, hein, les images sautent, mais c'est que vraiment le jeu est très très vieux. Mais bon, je voulais quand même faire quelque chose d'un peu... vous montrer l'évolution en fait des jeux Top Clancy. Donc je voulais absolument que ce premier opus apparaisse quand même, même si au niveau image, je me doute que ce n'est pas terrible. Donc vous voyez, c'est assez complet aussi au niveau de l'équipement. Vous avez différentes tenues de camouflage, vous avez différentes mitraillettes, enfin fusils d'assaut, différents pistolets, et après différents gadgets, que ce soit des munitions, que ce soit des bombes, que ce soit des mallettes, pour avancer dans vos missions. À vous de bien écouter les briefings et à vous aussi de bien sélectionner votre matériel. Pareil, toujours ce principe que j'adorais, mais qui est plus vraiment vrai sur les nouveaux opus de Top Clancy, une balle, un mort. C'est-à-dire que vous avez intérêt à vraiment là, donc j'ai mis mes effectifs en quatre unités, comme vous pouvez le voir. Alors ça aussi c'est pas mal, c'est la phase de préparation, c'est-à-dire que vous pouvez donner des ordres et préparer votre mission par rapport à un plan en 2D, où vous allez demander à vos escouades de suivre un certain parcours et de faire certaines actions, notamment ouvrir des portes, rentrer par un assaut ou envoyer une grenade dès une entrée, enfin voilà. Donc vous voyez, les croix rouges c'est les ennemis, les carrés blancs avec les coins blancs c'est les otages, ce que je vous montrais là à l'instant. Donc voilà, vous faites le parcours et normalement assez régulièrement vous donnez l'ordre de passer à l'attaque à vos unités. Comme vous voyez, ce plan vous pouvez aussi l'avoir en 3D. Bon, c'est de la 3D de 1998, donc faut pas être trop regardant. C'est vrai que ça pique un peu aux yeux, mais bon, c'était un peu, à l'époque c'était quand même une sacrée avancée et c'était une belle alternative à ce qui existait comme autre jeu. Un jeu donc beaucoup plus tactique que un FPS classique qu'on pouvait voir. Donc voilà, là on passe en phase. Comme vous voyez, les autres unités ne restent pas, ils vont aller se présenter devant chaque porte de l'établissement et ils vont attendre que vous leur donnez l'ordre de passer à l'attaque. Ce que je vais absolument pas faire parce que j'aime bien contrôler mes unités quand elles progressent. Donc là, ma première unité avec Dick Chavez. D'ailleurs, Dick Chavez, vous allez devoir le retenir parce que c'est un nom qui va revenir en filigrane à travers tous les Top Clancy, les Rainbow Six. C'est un personnage phare. Donc là, je prends ma deuxième unité. Troisième unité, je pense. Ouais, troisième unité. Et on va rentrer. Le but de la mission est donc de sécuriser à la fois le gouverneur ainsi que des otages. Vous allez voir. Donc ça a l'air très très simple, hein, mais je peux vous assurer qu'avant d'arriver au résultat que vous voyez là, je me suis quand même gaufré une paire de fois, dans le sens où il faut réussir à manier, hein, c'est quand même un jeu de 98, donc c'est pas si simple que ça. Au niveau du maniement, notamment des déplacements, bon là c'est bon, on l'a eu. Donc un effectif terroriste de moins. Là, le deuxième avait été déjà shooté. Ici, on rentre au niveau du bureau, le gouverneur est là. Donc on va sécuriser dans le couloir puisqu'on sait qu'il y a deux entrées mais qui donnent tous les deux sur le couloir. Comme ça, si jamais un terroriste essaye de shooter le gouverneur, on a le temps de l'intercepter. Oui, parce qu'il faut savoir que vous avez intérêt à bien millimétrer vos missions, hein, ça va très vite. Vous perdez dès lors que un otage est descendu, ou alors dès lors que... vous pouvez aussi perdre des effectifs vous. Alors ça arrête pas la mission, le problème c'est que après pour les autres missions vous n'aurez plus jamais ces effectifs. Les effectifs morts sont totalement morts, même pour les missions d'après. Il n'y a pas de convalescence et je reviens dans le jeu. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de... Voilà. Donc là on a sécurisé aussi l'otage. Donc ici on va se mettre en couverture aussi pour éviter que les terroristes essayent de venir tuer l'otage. Alors je prends un risque, mais bon, de toute façon
C'est calculé. Je vais rechercher mon collègue qui est resté bloqué. Ça peut arriver avec les anciens jeux, c'était pas. Il y avait pas mal de bugs aussi. Mais bon, ça n'enlève rien au fait que ce jeu est vraiment excellent. Vous voyez le petit encart en bas avec le plan. Normalement, vous voyez le trajet que devrait faire l'unité. Vous voyez les petites lignes avec les petits points. Normalement, c'est censé être le trajet que votre unité va faire en automatique si vous lui en donnez l'ordre. Bon, des fois ça bug et on a beau faire suivre le trajet, les points ne s'éliminent pas au fur et à mesure parce que normalement ils devraient s'éliminer au fur et à mesure. Comme vous voyez là, ça bug. Mais bon, c'est aussi lié au fait que le jeu a du mal à supporter les nouveaux ordinateurs. Il marche sous résolution Windows 95, 98 ou Millennium, je crois, un truc comme ça. Et après, il ne supporte pas les autres systèmes d'exploitation. Donc là, c'est bon, on a encore éliminé un effectif qui s'était caché du côté des arbres. Enfin, de la verdure. Voilà, donc là, on couvre, on fait progresser les différentes unités, on essaye de trouver les différents terroristes, on fait le ménage en fait. Et ouais, un jeu donc que j'adore parce que très très tactique. Et moi, c'est cet aspect-là en fait qui me plaît le plus. C'est pas tant de faire du frag ou tuer à tout va. C'est vraiment de monter une opération, de progresser, d'essayer de se couvrir les uns les autres, d'essayer de jouer un peu aux gendarmes et aux voleurs avec les terroristes et faire de réussir la mission tout en ne perdant pas d'effectifs en fait. Donc, je peux vous assurer que pour réussir une mission sans perdre d'effectifs, faut un certain moment d'entraînement quand même. Bon, là, j'ai simplifié les choses, hein, je suis en moyen, mais il faut savoir que de toute façon, toutes ces missions, je les ai déjà fait en élite. Là, c'est simplement pour vous montrer. Alors, évidemment, hein, le jeu 98, donc les graphismes peuvent être rebutants, mais faut savoir que aujourd'hui, les jeux sont peut-être très très beaux, mais je trouve qu'ils ont perdu beaucoup en profondeur de gameplay. Par rapport à des jeux à cette époque-là qui étaient vraiment limités au niveau graphisme et un peu repoussant par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, mais dont le gameplay était vraiment poussé et travaillé à l'extrême. Comme vous voyez les briefings, vous avez quand même différents tableaux avec différentes possibilités. Ça ouvrait quand même sur pas mal de choses. On vous simplifiait pas les choses non plus parce que, ben évidemment, fallait deviner par vous-même quoi faire. Aujourd'hui, vous êtes plutôt guidé dans les jeux récents. Je trouve qu'on est de plus en plus assisté dans la résolution des problèmes, alors qu'à l'époque, fallait vraiment deviner comment s'y prendre. Et on pouvait galérer comme ça pendant une semaine ou deux à essayer de trouver comment réussir la chose. Mais n'empêche que quand on réussissait la mission ou quoi que ce soit, on en avait d'autant plus de mérite et on appréciait d'autant plus le jeu de nous proposer des casse-têtes qu'à chaque fois il fallait relever. Et là, au niveau tactique, c'est vrai que ça a l'air de rien, mais là, c'est la première mission. Il y a les autres missions par la suite deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus techniques. On apprenait de plus en plus à gérer le jeu, à apprendre à se positionner pour dire d'essayer de rentrer dans une pièce en toute sécurité tout en faisant un maximum de dégâts chez les ennemis. Ça y est, là, il y en a un. Par contre, il est pas pris. Ouais, c'est bon, je l'ai. Bon, bah voilà, la mission est réussite. Donc voilà, ça a l'air de vraiment rien, mais je peux vous assurer que quand vous jouez, c'est carrément autre chose. Donc voilà, mission accomplie, on est sur le tableau des objectifs. Vous voyez que les deux succès ont été réussis. Donc il y avait l'ambassadeur, j'avais dit gouverneur, mais c'est l'ambassadeur, et ainsi que ben, le personnel de l'ambassade. Donc on a réussi. Comme vous voyez, vous avez les différentes statistiques et vous avez même les stats, mais par personnage. Donc voilà, là en fait c'est par rapport au premier personnage. Donc la fatigue et tout le reste, voilà, ça s'est sélectionné. Ensuite, deuxième personnage, donc vous voyez aussi le nombre de morts, le nombre de balles tirées, le pourcentage. Évidemment, de mission en mission, il gagne de plus en plus en effectivité et en capacité. René aussi qui est. Vous avez certains personnages que vous retrouverez à travers les opus hein, de Rainbow Six.
Donc voilà, vous avez vu la première mission du premier Rainbow Six qui existait. Là, j'ai enchaîné avec la deuxième mission parce que je voulais voir s'il y avait une cinématique, mais non. On revient. Donc voilà, c'était ma présentation en fait de Rainbow Six premier du nom. De Eagle Watch aussi, puisque je n'arrive pas à l'installer, donc peut-être qu'ultérieurement je trouverai une solution pour dire de pouvoir vous faire une vidéo et je le ferai. Mais pour l'instant, c'est hors de question puisque je n'y arrive pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était donc le dernier épisode actuel de... C'était quoi déjà? Destiné à Rainbow Six, jeu de 98, édité par Ubisoft, créé par Red Storm Entertainment. Allez, je vous dis à bientôt, salut et bon jeu à vous. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira malgré le fait que ce soit très vieux. Allez, salut, bye bye.